vient de donner son nom. Il vient de donner le nom du gagnant, Morlida Rouge, donc championne de France officielle Mario Kart 7. Et je pense que vous en voulez encore, vous en voulez encore du spectacle. Et là, il y a encore 4 circuits qui nous attendent avec la deuxième finale. On va vous demander bien évidemment de faire beaucoup, beaucoup de bruit pour encourager nos 8 champions qui viennent tenter leur chance, eux aussi, pour venir remporter le trophée Mario Kart 7. Ils sont juste là, sous les feux des projets, sous les feux des projecteurs, pardon, devant les affiches Mario Kart 7, ils viennent les chercher. Ils sont 8 encore à pouvoir espérer les avoir. Ils étaient des milliers à tenter leur chance en mode online sur le championnat, donc Mario Kart 7. Des milliers à tenter leur chance, ils ne sont plus que 8. Ils représentent leur région. Ils viennent chercher le trophée, la console Wii U qu'ils recevront eh bien, chez eux dès la sortie. Voilà tout ce qu'ils viennent chercher. Finale. Messieurs, Mario Kart 7, la bataille va être dure, rude. On l'a vu, quelques kilomètres encore à parcourir avant de savoir qui sera l'équivalent masculin de Morlida, la championne féminine de Mario Kart 7. Allez, bienvenue, c'est la finale masculine de Mario Kart 7. Mario Kart 7, catégorie masculine, un des entre-temps forts de cette journée ici à la Japan Expo, le grand temps fort ici. Sans plus tarder, on va applaudir très fort Nicolas Barco, rejoins-nous ici. Attention, très très grand favori pour cette compétition. Allez, le deuxième joueur qui va venir à côté de Nicolas. Ils seront 8 au total sur la ligne de départ à tenter leur chance pour le titre suprême. Vous pouvez revenir bien fort car c'est un des très très gros favoris aussi pour cette finale. Amar Shermir. Morlida a représenté l'île de France, elle s'est imposée, elle est devenue championne de France. Est-ce que le représentant francilien va faire de même? On verra ça dans quelques instants, on peut l'applaudir, Christophe. Le 7ème qualifié, et il compte bien faire parler de lui, il est en ce moment sous les yeux des caméras, il va falloir se méfier de lui, un excellent compétiteur, David Pencher. Voilà, il y a des mondes qui l'applaudissent, Red Chevrouillant, je vais venir t'installer ici. Champion à venir nous rejoindre sur la scène. Il compte bien modifier cette hiérarchie puisqu'on parle beaucoup d'Amar et de Nicolas, mais il peut aussi venir jouer les troubles faites. On peut l'applaudir bien fort, Julien Chamizot. Ils sont 8 sur la ligne de départ, 8 à tenter leur chance pour venir soulever le trophée, pour devenir champion de France de Mario Kart 7. Le trophée juste ici, ils viennent le chercher, je vous le rappelle. Il y a aussi bien sûr une console Wii U, il y a une 3DS, il y a beaucoup de choses à pouvoir remporter, mais c'est ça qu'on vient chercher majoritairement. C'est le titre officiel de champion de France Mario Kart 7. Ils se sont battus pendant 10 semaines en online, ils se sont battus toute cette journée pour pouvoir tenter de venir ici, ça y est. Ce sont les dernières courses, mais les dernières courses les plus difficiles à pouvoir remporter. Mental, chance, talent, il va falloir tout
pour pouvoir venir s'imposer, devenir le nouveau champion de France, qui va être l'équivalent masculin de Molina, la championne qu'on a vu il y a quelques instants sur Mario Kart. Cette réponse dans quelques instants. Je vais laisser les arbitres préparer, configurer les parties. On va étudier leurs cartes, on va étudier leurs personnages préférés. Est-ce qu'ils vont prendre Mini en Mario, est-ce qu'ils vont jouer avec Kirby? On va voir ça d'ici quelques instants. Avec cette grande finale, 4 circuits, à chaque fois 3 tours pour faire la différence. Dans 10 minutes, on connaîtra le nouveau champion de France, Mario Kart 7. Allez, on les applaudit bien fort, c'est le finaliste.
reste quand même une finale. Et voilà, c'est Nicolas au final. Non, Nicolas qui fait le deuxième et la première place, c'est pour David. David qui est venu s'immiscer dans cette course de champion. David prend la première place, la deuxième place c'est pour Nicolas, la troisième place c'est pour Samy, la quatrième place elle est pour Christophe Le Francinien, la cinquième place pour Florent qui a dominé pendant toute la course, c'est dur. Sixième et septième place, ça me semble entre Julien et Tom. Julien et Tom, que ça c'est joué. Allez, le premier circuit a donné son verdict, direction le deuxième circuit et une deuxième ambiance. C'était un ancien circuit pour la première fois, mais c'est à nouveau. C'est parti pour ce tout nouveau circuit, hein, créé spécialement pour ce Mario Kart 7. Et attention, parce que normalement, c'est bien, on va avoir des belles choses, je pense. Des bons raccourcis, des belles performances avec les Delta Plan. Allô, Florent qui essaie de dominer, mais qui se fait pour l'instant avoir. La première place, c'est qui est pris par le Francinien avec la Reine des Abeilles, c'est Christophe Texera qui prend la tête. Allez, il a déjà un tout petit peu d'avance. Ils sont tous ensemble, ça c'est bien fait. On s'envole, on va aller chercher le prochain accélérateur. C'est là que ça se joue. Regardez. Qui maîtrise tous les passages secrets de tous les circuits de Mario Kart 7. La gestion des objets, on l'a eu tout à l'heure avec Olida qui était exceptionnelle, notamment sur la gestion de son étoile. Christophe en tête, deuxième place pour Florent, troisième place pour Samy, quatrième place pour Tom, la cinquième place, elle est pour l'instant pour Julien qui se relance. David, le vainqueur, tout à l'heure qui est sixième, attention, Carabasse-Bleu avec un changement forcément de hiérarchie, peut-être pas d'ailleurs. Il est bien devant encore, il s'en sort, c'est parti. Sur devant Christophe, grâce à sa maîtrise parfaite de ce passage. C'est bien fait, les nouvelles formes. Attention, car ils sont tous derrière lui. C'est le deuxième tour, on attaque maintenant le troisième tour. Voilà, il va changer de position en force. Ouais, mais c'est Nicolas, Nicolas qui prend la tête, Nicolas qui prend la tête, Florent qui prend la tête de la course. Avec Ardoni, ils sont en plus Florent. Il n'y avait pas reçu, attention, c'est même parti. On s'arrête, on recule un petit peu, comme ça on a fait profiter les autres. Allez, le premier de droite dedans, c'est Christophe, le Francien qui a pas de dingue de la Reine des Abeilles, qui a dominé la majorité de ce circuit. Dominé en général, mais pas gagné sur ce jeu. Pas de carte 7. C'est bien être promis, mais déjà, faut toujours avoir une petite réserve. Deuxième place pour le moment, c'est pour Samy. Sauf qu'il y a très mal des...
obtient en plus avec un passement. De la région parisienne, et on va savoir ça dans quelques instants. Et pour l'instant, il faut le dire, c'est l'Île-de-France qui domine. 3 points d'avance, 3 points d'avance sur le deuxième qui n'est pas de ce côté-là, qui est deuxième pour l'instant au classement. C'est toi, Nico. Nico, Christophe, 3 points d'écart. La bataille commence, le nombre des prétendants au titre, ça commence à se resserrer. C'est normal, Corentin, puisqu'on est à la dernière course. Allez, dernière course, 3, 2, 1. Mario qui remet à Molina, Luigi qui remet à Christophe.
champion de France. Demain à l'Ocarte 7, on met fin à des semaines de compétition ici à la Japan Expo. Il est 18h, on a donc nos deux champions. Christophe d'un côté, Paulina de l'autre. Et voilà, ils viennent tous les deux de l'île de France. N'hésitez pas, ayez vos 3DS, passez-les tout de suite, essayez de repérer un petit peu leur pseudo et vous pourrez les retrouver online. La meilleure joueuse de France, le meilleur joueur de France, ils sont là nos champions. Allez, encore un des applaudissements s'il vous plaît, on peut les applaudir.